ce qu'on a travaillé ce week-end. Donc là, il n'y a pas que des accordéons, vous avez vu. Ça, c'est un accordéon avec des cordes. Un accordéon dans lequel on souffle. Là aussi, on souffle. Donc, c'est la musique d'ensemble. Donc, j'ai écrit quelques arrangements en tenant compte quand même de la spécificité de vos instruments. Et puis, on a fait aussi un peu d'improvisation. Donc, la plupart des gens qui sont là n'avaient jamais fait d'improvisation. Et tout le monde a improvisé ce week-end, même ceux qui n'avaient pas très envie au départ. Je croyais que c'était un stage d'impro, mais d'un professionnel en fait. J'ai pas compris que ça voulait faire ça en fait. Et donc, une fois qu'ils étaient là, ben, il n'y avait pas de choix que de faire en fait. Donc, nous on a fait 3 morceaux, hein, excusez-nous. Hein. On avait 12 de prévu, mais on en a fait 3. Et donc, même si j'ai utilisé les harmonies, enfin la base de mélodique des harmonicas, les harmonies sont faites un petit peu différentes de ce qu'on entend dans le diatonique d'habitude. Tiens. On va même éteindre le micro. T'as peur qu'elle chante ? Non, non. Le premier morceau, c'est une bossa nova qui s'appelle Ma bosse à pain. C'est un morceau. C'est un tiroir. Si vous voulez toute l'histoire, juste un truc, sachez que bon, moi je viens pas du tout de l'univers diatonique, hein, je suis musicien pianiste de jazz à la base. Et ces musiciens font partie d'un big band de jazz que je dirige et dans lequel j'écris les arrangements. L'année dernière, on a fait un projet avec l'association de l'Opéra, on a monté un projet de big band plus 15 accordéons diatoniques. D'accord ? Donc on a fait un grand. Et cette année, on refait le projet avec toujours le big band, des accordéons diatoniques plus un steel band. Alors vous avez un steel drum là. Tourne-le peut-être pour montrer un peu si vous êtes déjà venu. Donc ce sont des. Alors là-bas, c'est des feux de pétrole qui étaient utilisés à Trinidad et les musiciens ont. Martelé, façonné l'intérieur pour que pouvoir jouer des notes en fait. Et donc on a un projet avec 18 steel drummers, donc ça veut dire qu'il y aura à peu près une quinzaine d'accordéons, 18 musiciens de jazz et 18. Et les morceaux, la plupart, c'est des mambo. Hein, donc vous voyez venir, le premier mambo s'appelle Mambo Sapin. Donc là, c'est une bossa qui s'appelle Mabo Sapin. Vous voyez, c'est un petit peu. Allez, on y va. Les solistes, les gamins ? Les solistes ? Ils savent ? Oui, ça vient. Qui d'autre ? Trop tard. Ouais, c'est trop tard, de toute façon. Thank you.
Merci.